Vous avez écrit, publié, et j'ai lu, un ouvrage sur le vaudou, le énième écrit sur le vaudou, mais le premier quand même, sous-titré « Un initié parle ». Alors c'est assez étrange qu'un haïtien natif natal demande à un français ce que c'est que le vaudou. C'est étrange, mais quand les auditeurs réfléchiront à la situation des élites haïtiennes, ils comprendront cette chose étrange. Claude Vaudou, Claude Plançon, pourquoi vous êtes-vous intéressé au vaudou ? Eh bien, je suis d'abord ethnologue de formation. Ensuite, j'ai été pendant 10 ans directeur du Théâtre des Nations, c'est-à-dire directeur d'un théâtre de l'État français qui avait pour but de montrer la pluralité des foyers de culture. Et pas du tout de montrer qu'il n'y avait qu'une culture, la culture occidentale. Ce sont les deux raisons qui m'ont amené au vaudou. J'avais d'abord connu le vaudoun dahoméen assez bien, par l'intermédiaire du prince Ao qui est mort, qui était le petit-fils du roi Béhanzin, et qui m'avait fait entrer dans ses temples. Et qui m'avait fait connaître ses Ungans, et qui m'avait fait connaître les Unsi. Ensuite, j'ai épousé, comme vous le savez, Dominique, une femme haïtienne, qui était même une Mambo. Et j'ai commencé, depuis 15 ans, à étudier le vaudou. Les premières années, j'ai raisonné comme les ethnologues, c'est-à-dire comme les gens qui regardent de l'extérieur le vaudou, c'est-à-dire que j'ai cherché à interpréter ce que je voyais. Et je dois dire que je me trompais toujours. J'ai répété les bêtises qu'on entend dire si souvent à propos du vaudou, jusqu'au jour où j'ai fait le pas. J'ai demandé aux vaudouisants de devenir l'un d'entre eux, c'est-à-dire que je suis Unsikanzo, et que j'en suis très content, que j'en suis très fier. Ils m'ont fait attendre d'ailleurs de longues années avant de m'admettre. Il n'est pas très facile pour un occidental de devenir Unsikanzo. Et j'ai été initié par Mathilda Beauvoir, dont je suis maintenant l'enfant, avec un certain nombre d'autres Français, en subissant toutes les épreuves initiatiques. Et donc, je crois que maintenant, je sais ce que c'est que le vaudou. Je ne le regarde plus de l'extérieur, je le regarde de l'intérieur. Cela, on le comprend bien en lisant votre livre. D'abord, vous le dites, vous racontez même certaines choses qui jusqu'à présent n'ont pas été racontées. Vous avez dû avoir, comme vous le dites dans votre livre, Claude Plançon, certaines autorisations pour révéler des étapes de votre initiation. Mais ce que je ne comprends pas, vous êtes arrivé à l'initiation Kanzo, donc à ouvrir une certaine porte par curiosité. Mais depuis que vous avez passé cette porte, il y a autre chose. Est-ce que cette autre chose est encore de la curiosité ou y a-t-il déjà la foi chez vous, Claude Plançon ? D'abord, je ne suis pas entré par curiosité. Pendant longtemps, j'ai considéré le vaudou avec curiosité et avec intérêt. Mais on a accepté de m'initier le jour où je n'ai plus été curieux. C'est-à-dire le jour où j'en ai vraiment éprouvé le besoin. Maintenant, je ne considère plus le vaudou avec intérêt. Je pense personnellement que le vaudou peut apporter au monde occidental, et a fortiori au monde haïtien, bien entendu, et au monde noir, bien entendu, mais au monde occidental aussi, à un mode de vie, une thérapie collective qui pourrait nous guérir de nos névroses, qui sont épouvantables, qui pourraient nous guérir du mal de l'Occident, dont tout l'Occident, vous le savez, est en train de crever. Et je pense que nous avons énormément à apprendre de ce petit peuple haïtien qui, malgré les persécutions les plus odieuses, malgré les abominations qui ont été commises contre lui par mes compatriotes français et par bien d'autres, a su conserver une tradition qui nous est commune. C'est là-dessus que je voudrais tellement insister. Le vaudou n'est pas une affaire spécifiquement haïtienne. Le vaudou n'est même pas une affaire spécifique au monde noir. Il s'agit de ces anciennes religions initiatiques qui ont couvert le monde entier, y compris notre Occident. Chez nous, ça a pris la forme des cultes de Déméter, de Mithra ou de Cérès. Mais ces religions initiatiques donnaient aux hommes un équilibre, une possibilité de se relier, une possibilité de ne pas être seul, une possibilité de surmonter la mort, une possibilité de résoudre les problèmes de la sexualité, etc. Je crois donc que réellement, le vaudou peut apporter beaucoup au monde occidental et que si le peuple haïtien, ça surprend toujours, voyez-vous, les touristes qui arrivent ou les étrangers disent comment est-ce que ce peuple qui est si pauvre et si gai et si heureux et si équilibré, dans lequel il y a si peu de névroses, dans lequel il y a si peu de crimes crapuleux, dans lequel il y a si peu de voleurs, dans lequel il y a une gaieté naturelle que nous avons vue encore ces temps-ci au carnaval ou que nous voyons pendant les raras,
Je pense que c'est grâce au vaudou qu'il le doit. Et uniquement au vaudou. Ça, c'est indiscutable, Claude Plançon. Tout haïtien et tout observateur de la réalité haïtienne s'en rend compte. Cependant, vous faites intervenir quelque chose de grave et de nouveau quand même par rapport à la tradition vaudou. C'est le prosélytisme. La tradition vaudou n'est pas prosélyte. Jamais un initié, jamais un fils d'Erzuli ou de Dambala ou de Legba n'a essayé d'en attirer d'autres par zèle prosélytique. Donc vous, Claude Plançon, venu de France, avec vos problèmes d'une culture qui, jusqu'à présent, depuis quelque temps, est dans l'impasse, vous, Claude Plançon, vous découvrez nos traditions, tribales, ethniques, culturelles, raciales. Vous découvrez nos traditions, vous y trouvez quelque chose, et vous croyez que ce quelque chose est applicable à d'autres cultures. Là, vous extrapolez, Claude Plançon. Non, je n'extrapole pas. Je suis certain que notre culture, notre vraie culture, c'est la culture gréco-romaine, ou la culture germanique, ou la culture celtique. C'est ça, nos cultures. Vous parlez de vous, alors. Naturellement que je parle de nous, Occident, de nous, Français. Je pense que c'était notre culture, et que d'ailleurs, chaque fois que notre peuple a eu à se ressourcer, il est revenu, la Renaissance, par exemple, a été un mouvement d'une extrême importance. Actuellement, tous les problèmes que nous avons à faire face, c'est quoi ? C'est le problème de l'éducation sexuelle, c'est le problème de la libération de la femme, c'est le problème de résoudre nos névroses et nos psychoses, c'est le problème de vivre en communion avec notre société, c'est de ne pas se sentir isolé. Je ne sais pas si tous les Haïtiens le savent, mais un Français peut vivre 20 ans dans un immeuble sans connaître la personne qui habite au-dessus et la personne qui habite au-dessous. On ne se salue pas, on ne se dit même pas bonjour. À Haïti, quand je croise un paysan, si je ne lui dis pas bonjour, je passe pour un voyou. En France, on ne se salue plus, on ne se connaît plus, on vit seul. Au milieu, et forcément, nous assistons à une explosion des névroses et des psychoses qui dépassent l'imagination. Il n'y a plus assez de maisons psychiatriques, il n'y a plus assez de cliniques, il n'y a plus assez de structures d'accueil pour tous les malades. Je pense, c'est une opinion personnelle, je ne cherche à convaincre personne, le vaudou ne fait pas de prosélytisme. Et je n'ai jamais fait de prosélytisme, je porte un témoignage. Le vaudou non seulement ne fait pas de prosélytisme, contrairement aux religions judéo-chrétiennes, mais le vaudou demande de lourds sacrifices, demande de dures épreuves, demande une grande patience. Pour devenir vaudou, c'est très difficile. Moi-même, on m'a fait attendre 5 ans. 5 ans de dévouement, 5 ans de gentillesse, 5 ans de modestie, 5 ans de silence. Et d'études. Et seulement après cela, on m'a dit, bon, tu peux être des nôtres. On va voir si tu es capable de supporter ce que supportent nos frères haïtiens. Je pense donc qu'il s'agit d'une grande tradition. Le vaudou n'est qu'une branche d'un grand mouvement spirituel universel. De même que le vaudou haïtien apparaît pour une partie comme une branche, comme une tentacule du vaudou ndahoméen. En fait, il n'est pas que ça. Vous savez qu'il est la réunion de tous les cultes de la côte ouest de l'Afrique et même de toute l'Afrique, puisqu'il y a aussi bien les services Rada qui viennent du Dahomey, les services Congo, Petro, Ibo, etc. Donc c'est une véritable synthèse des cultes africains. Je pense que de même que le vaudou haïtien donc est une tentacule du vaudou africain, de même le vaudou africain, de même toute l'Afrique, ne sont qu'une partie de ce grand mouvement qui a été exterminé par la persécution. Il faut employer les mots tels qu'ils sont. Enfin, rappelez-vous que dans notre Occident chrétien, au XVIIIe siècle, on brûle encore du monde. Dans la seule petite ville de Saint-Jean-de-Luz, qui est une ville du Pays basque français du sud-ouest de la France, qui doit avoir 18 ou 20 000 habitants, on a brûlé en trois siècles 28 000 jeunes filles. La persécution contre ce qu'on a appelé les sorcières, et qui n'était pas autre chose que le vaudou, bien entendu, ou que les anciens cultes qui luttaient pour se défendre, a touché plusieurs millions de personnes qui ont été brûlées. Persécution dont je vois de temps en temps des reflets réapparaître ailleurs, à Haïti même. Voilà donc qui est bien clair et qui situe la position d'un occidental comme Claude Plançon par rapport à notre tradition religieuse et nos traditions de peuple d'origine africaine. Cependant, en ouvrant cette porte du bagui, vous avez aussi ouvert autre chose, Claude Plançon, dans votre livre. D'abord, il faut reconnaître un souci d'aller au-delà de ce qui a déjà été écrit comme témoignage.
Et je vais attaquer tout de suite le vif de ma curiosité. Vous dites une chose, à propos des deux mains, nul ne peut servir d'une seule main. Tout homme se sert de ses deux mains. Vous justifiez ainsi, Claude Plançon, la main gauche et la main droite. Or, la main gauche est connue, mais est-ce une méconnaissance ou un malentendu? La main gauche est connue pour être celle de la magie, de la, entre guillemets, sorcellerie, de, disons le mot, du mal. Qu'en pensez-vous, Claude Plançon? Je pense que le bien et le mal n'existent pas. Je pense que Dieu n'est ni parfaitement beau, ni parfaitement mauvais. Je pense que le bien n'existerait pas s'il n'y avait pas le mal, et que le mal n'existerait pas s'il n'y avait pas le bien. Je pense que le manichéisme est à l'opposé de la pensée du vaudou. Il n'y a pas de diable dans le vaudou, ça n'existe pas. Il n'y a pas de bon et de mauvais esprit. On nous a raconté qu'à un moment, certains ethnologues ou certains écrivains voulaient nous faire croire que les radas étaient les bons esprits et les pétros étaient les mauvais esprits. Ça n'est pas vrai. Ils sont comme les hommes, capables du meilleur et du pire, qu'ils soient radas ou qu'ils soient pétros. Ça dépend de la manière dont on les traitera. De même que Jean-Dominique, si je lui flanque une claque, va me répondre à coup de poing et deviendra donc extrêmement dur. Jean-Dominique sera charmant avec moi, il n'a pas de raison de ne pas l'être si je suis correct et si je me comporte bien à son égard et si j'agis comme je dois agir dans les règles. Eh bien, les lois, les esprits, les intermédiaires. Parce qu'il y a un Dieu unique, naturellement, dans le vaudou, c'est un mensonge. D'ailleurs, nulle part n'a jamais existé le polythéisme. Les hommes ont toujours cru partout un Dieu unique, bien entendu. Simplement, les vaudous, ça ne dérange pas Dieu, on ne dérange pas Dieu. Dieu ne peut pas être un homme, Dieu ne peut pas se déranger pour les hommes, pas plus que pour les papillons. Dieu, c'est l'ordre du monde, c'est son grand architecte. Les lois sont, comme les hommes, capables du meilleur et du pire, et ils expriment les fantasmes des hommes de la même manière. Donc, il n'y a pas de main droite, il n'y a pas de main gauche. D'ailleurs, cette histoire de droite et de gauche, il faut quand même qu'on y voit clair. Ça vient très exactement du Moyen-Âge chrétien, et même d'avant de Saint-Paul. On a toujours pensé que Dieu avait divisé le premier homme en la partie droite qui était la partie masculine, c'est-à-dire bonne, c'est-à-dire lumineuse. Dieu est un homme, n'est-ce pas? Il est représenté sous la forme d'un homme. Et puis la partie gauche qui est féminine, satanique, le sexe, toutes ces horreurs. Et c'est de ça que vient l'histoire de magie blanche et de magie noire, de main droite et de main gauche. Un homme a deux mains. Un Ongan, bien entendu, sert des deux mains. C'est pour les imbéciles qu'on dit qu'il ne sert pas d'une main. Il vous sert non seulement à vous protéger, mais aussi à vous défendre et à vous permettre de contre-attaquer. Les lois ne sont pas... C'est pas la joue gauche. C'est pas tendre la joue gauche si on prend une gifle sur la joue droite, c'est se défendre. Le vaudou vous donne le goût de la fraternité, le goût de l'amitié. Le vaudou n'a jamais persécuté personne, et Dieu sait s'il a été l'objet de persécution. Il y a des époques de l'histoire où les vaudous, ils auraient pu aussi persécuter, ils n'y ont jamais songé. Pas plus qu'ils n'ont jamais songé à convertir de force. Ils n'ont jamais songé à aller brûler les Hounefort, les églises, alors qu'on leur a brûlé les Hounefort. Ils n'ont jamais songé à détruire les objets du culte chrétien, alors qu'on... vous vous rappelez les abominables autodafés de magnifiques tambours à sauteurs auxquels a assisté Alfred Métro, il a supplié. Bon, les vaudouisants ne sont jamais allés devant les temples protestants pour leur dire « Vous servez le diable comme font les protestants tous les jours en ce moment devant les Hounefort ». Mais les vaudouisants ne croient pas qu'il y a le bien, qu'il y a le mal. Les vaudouisants ne sont pas assez vaniteux pour penser qu'ils détiennent le bien et que d'autres sont le mal. Ils pensent que le bien et le mal sont les deux formes d'une même chose, que Dieu peut être à la fois infiniment bon, et il le prouve tous les jours dans la création, et infiniment dur. Si tu avais un enfant qui meurt d'un cancer demain, est-ce que tu trouverais que Dieu est doux? Claude Plançon, il faut quand même que l'on mette au clair ce que vous venez de dire. Parce que depuis une trentaine d'années, disons, nous assistons, nous, haïtiens, à une prolifération de ce que vous refusez d'appeler la main gauche, c'est-à-dire des prêtres du culte qui se consacrent presque exclusivement à un commerce, au profit d'individus désireux d'arriver vite. C'est ce qu'on appelle, dans un langage vulgaire, la prolifération de la main gauche. J'ai eu un témoignage, Claude Plançon. Je vais vous le communiquer et vous me direz si il est vraisemblable, c'est-à-dire s'il répond à votre propre expérience. Un Ougan de la région de l'Arcaé, vieux bonhomme, d'une habitation traditionnelle, m'a dit « Mais mon fils,
Quand je lui ai demandé pourquoi certains baguis étaient clos en visitant son fort, il m'a dit, mais mon fils, ou pas comprendre, quoi il y a, diable envahit nous, et loi guinée aux jambes de l'eau retourne à la caillou. Ceci traduisait une angoisse profonde de ce prêtre, de ce pasteur, dans le sens du troupeau, qui sentait lui échapper ses fidèles, et qui sentait aussi lui échapper le troupeau des lois. Il a dit, il fait mes géants sous pays, loi il fait mes géants sous pays, parce que trop bagaille mal, trop crime à commettre. Mon cher, on a gain raison, on a gain raison. J'aurais préféré te répondre en créole, Jean-Dominique, parce que j'admire beaucoup le créole, que je trouve une admirable langue, et qui est, je voudrais le dire, en tant que citoyen français, une langue africaine. C'est une langue de la famille nigéro-congolaise, toute la grammaire du créole. Quand j'entends dire par des intellectuels haïtiens en parlant de leur admirable créole, c'est un patois, c'est non seulement un mensonge, mais c'est un crime, car il s'agit d'une langue africaine qui a adopté beaucoup de mots français. Ça s'explique, ils venaient de quantités de groupes ethniques différents, fallait bien qu'ils trouvent un vocabulaire commun. Mais là, toutes les structures sont c'est une langue africaine. Je la faisais lire à des intellectuels africains qui disaient tous, mais telle chose est parfaitement du fond, etc., etc. Bien, mais je voudrais répondre maintenant précisément à la question de la main, pas de la main gauche, mais des gens qui ne font que du mal. Je voudrais d'abord faire la distinction formelle entre les Ngan et les Boko. Le vrai Ngan, c'est le Ngan Asson, hein, et c'est le Ngan qui a le secret. C'est-à-dire, c'est ça le vrai Ngan ou la vraie Mambo. Alors, il y a toute une catégorie de gens qui sont soit les Ngan Tchatcha, il y en a très bons des Ngan Tchatcha, mais qui ne sont pas des Ngan. Je ne voudrais pas développer la différence, je suis en Haïti, j'espère que les gens savent ce que c'est que la différence. Et puis il y a en plus les Boko, qui sont une troisième dernière catégorie, qui correspondent aux sorciers de chez nous. Bon, premièrement, je ne pense pas, je ne connais pas, et je peux dire des dizaines de Ngan Mambo Haïti, je n'en connais aucun qui fasse le mal pour le mal, jamais. Jamais. Je n'ai jamais vu ça. Peut-être que ça existe, je ne l'ai jamais vu. Je connais des Boko, effectivement, qui ne font pratiquement que ce genre de choses. Alors je voudrais attirer l'attention sur... Je voudrais que tous les Haïtiens qui ont honte de leur vaudou lisent un livre admirable qui est un des grands chefs-d'œuvre de la littérature française et qui s'appelle La sorcière de Jules Michelet. Jules Michelet, parlant de l'énorme lutte des de l'inquisition chrétienne contre ce qu'on a appelé la sorcellerie du Moyen-Âge, enfin je répète qu'il y avait des dizaines de millions de victimes en Europe, appelle son livre La sorcière. Et c'est un ouvrage qui est tiré uniquement des actes judiciaires, il ne sert pas à fabuler, ce n'est pas du roman, ce sont des textes qu'on a retrouvés. Jules Michelet, dans son livre La sorcière, dit « Ce sont les persécutions qui rendent la sorcière méchante. Ce sont les persécutions qui font que la sorcière joue le jeu, s'inscrit dans un jeu, devient le diable par opposition à Dieu. Quand il n'y a pas de persécution, il n'y a jamais de gens comme ça. Je crois. » que les persécutions catholiques à Haïti, je parle de l'abominable période dite de la campagne des rejetés ou de la campagne anti-superstitieuse, ont contribué effectivement à la prolifération des bocaux de mauvaise qualité. Je crois que la campagne insensée de certaines sectes protestantes, je ne parle pas de tous les protestants, dont beaucoup sont parfaitement estimables, je parle de certaines sectes protestantes que j'ai vues provoquer les gens. Je crois qu'effectivement, ce genre de persécution risque de gauchir le vaudou. Sinon le vaudou, pas dans son essence, mais en tout cas certaines personnes qui sont en marge, qui sont à la frange du vaudou. Ça, j'en suis tout à fait persuadé. Je vais citer un exemple. Il y a une petite ville, très jolie, qui porte un nom de ville française, à Haïti, je n'en dirai pas plus. J'ai eu une longue conversation avec le maire de cette ville. Il me disait, pourquoi ne venez-vous pas dans notre ville? Je lui ai dit, j'irai avec le plus grand plaisir, monsieur le maire, rien ne fera plus plaisir que de visiter votre ville. Et il m'a dit, mais je vous préviens d'une chose, hein. Chez nous, nous ne tolérons ni Ngan ni Mambo. Nous faisons respecter la vieille loi, le vieux règlement, qui fait qu'on n'a pas le droit de faire d'autre chose que des danses profanes. Je lui ai dit, je trouve ça surprenant, parce que les conversations que j'ai eues avec le docteur Duvalier... pour lequel j'avais à la fois la plus grande admiration et le plus grand respect, n'allait pas du tout dans ce sens-là. Docteur Duvalier défendait le vaudou en tant qu'une religion, au même titre que le catholicisme, au même titre que le protestantisme, au même titre que l'islam. Il me dit, oui, tout ça c'est fini, nous ne tolérons pas ça.
Et ce monsieur, comme par hasard, faisait de la magie. Comme par hasard. Et comme par hasard, dans sa ville, il y avait plein de magiciens, on faisait des tables tournantes, on regardait l'avenir, on faisait des petites poupées transpercées, etc. Toujours ce qui n'existe pas dans le vaudou. Vous n'avez jamais vu Jean-Dominique dans aucun temple, ces fameuses poupées vaudou dont nous parlent les Américains. Moi, je n'ai jamais vu ça de ma vie, n'est-ce pas, sauf dans les shops pour touristes. Et comme par hasard, donc, dans cette ville, il y avait une énorme prolifération de la magie. Je pense que lorsqu'on veut détruire le vaudou, naturellement, c'est remplacé par... puisque ça correspond à un besoin. Alors on remplace ça par autre chose, et cette autre chose, comme ça n'est pas basé sur une très ancienne tradition, comme il n'y a pas d'initiation, l'initiation ayant pour but, tu l'as bien compris, d'épurer les êtres et de leur empêcher de faire le mal, et de faire en sorte qu'ils ne puissent pas, je cite toujours la phrase de Gros Roche, le Hongan, qui est le papa feuille de Mathilda, disant, avant d'apprendre à faire le mal, il faut apprendre à faire le bien. Et ensuite on s'aperçoit que la main gauche est aussi bonne que la main droite. Mais il s'agit de s'arréfréner ses passions, il ne s'agit de pas se servir de sa main gauche pour régler des comptes personnels de qui que ce soit, mais simplement pour se défendre. Il est certain que la main gauche, c'est... les Hongans s'en sont servis contre les Français pour obtenir la libération du pays, croyez-le. La main gauche a joué au Bois Caïman. De même que la main gauche a joué avec Charlemagne Peralte pour lutter contre l'occupation américaine. Et là, elle a été très importante et très utile. Qu'est-ce que ça aurait été? Alors qu'à ce moment-là, les prêtres catholiques, les pasteurs protestants disaient « Acceptez, mes enfants, votre rôle d'esclave, vous serez récompensés au paradis. » Oui ou non? Ou que pendant l'occupation américaine, en chair, je l'ai lu dans les livres du président Duvalier, alors que les prêtres catholiques et les évêques catholiques en chair faisaient des mandements pour applaudir l'occupation étrangère, la main gauche du vaudou entrait dans le combat. Alors là, justement, il faudrait un petit peu expliquer aux auditeurs que ce que nous appelons la main gauche, il faudrait rétablir les choses. Quand Claude Plançon parle, et dites que vous n'êtes pas d'accord si vous ne l'êtes pas, quand Claude Plançon parle de la main gauche luttant pour notre liberté, notre libération de peuple, il fait allusion aux lois Petro, aux lois Congo, qui... et aux Andorres, qui, sous les drapeaux desquels nos marrons, nos armées indigènes ont pu conquérir notre liberté. Bon, alors c'est bien clair cela. Et c'est par extrapolation que les mêmes drapeaux Petro, Congo et Andorre sont appelés main gauche. Mais il y a là une confusion, c'est pas la main gauche du Bocor, c'est justement toute cette légion de lois dont la colère sacrée permet à un peuple de retrouver son indépendance et son identité. C'est bien cela, Claude Plançon. Ça m'entièrement d'accord. Bon, alors là, il faut pas confondre les choses. Il faut bien préciser. Mais puisque nous y arrivons à ces Andorres, à ces Petro, et que Claude Plançon a été peut-être l'un des premiers, hein, vous êtes peut-être l'un des premiers, je ne sais pas si... de l'autre côté de la barrière, Kerboul n'a pas essayé de gratouiller par là. Mais lui, c'est la main gauche de la littérature. Hélas, hélas, hélas. Non mais, Claude Plançon, vous avez décrit, très, très objectivement, je ne cherche le mot, très courageusement, non, très dangereusement peut-être, hein, à vos risques et périls, une cérémonie Zobop dans votre livre. Un chapitre, et même deux chapitres consacrés à cette cérémonie Zobop. Le passeport obtenu, le chemin parcouru, l'arrivée au lieu dit, les différents barrages que vous avez franchis, les douanes, etc. Et puis la cérémonie elle-même. Bon, alors, et ensuite le retour et l'évanouissement, n'est-ce pas ? C'était un rêve. Tout le monde l'a dit, c'était un rêve. Claude Plançon, il faut fouiller loin pour assister à une cérémonie Zobop, hein ? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. J'ai attendu 12 ans. 12 ans. Et j'avais des contacts nombreux avec des membres de sociétés secrètes, comme en Afrique, où j'avais déjà eu des contacts avec les membres des sociétés secrètes, qui sont des gens dont, parmi lesquels il y a des gens tout à fait remarquables et tout à fait de haute qualité. Oui, j'ai eu le plus grand mal à assister à une cérémonie Zobop, et oui, j'y ai vu des choses tout à fait extraordinaires, c'est vrai. Je dois dire que je les ai rapprochés de certaines choses extraordinaires que j'avais vues en Afrique. Je vais revenir aux histoires de Charlemagne Peralte, je vais revenir au Bois Caïman, je vais revenir à la lutte contre l'oppression des colons. Disons à nos traditions révolutionnaires. À vos traditions révolutionnaires, je suis pour ma part tout à fait persuadé que les Zobop y ont joué un grand rôle. Je suis persuadé que ces sociétés secrètes sont essentiellement, même quand elles font peur,
En vérité, j'attends toujours qu'on me fournisse la preuve qu'ils ont tué qui que ce soit. Je parle de parmi les paisibles habitants. Je n'ai encore jamais eu l'ombre d'un début de preuve. Lorsque M. Seabrook a menti en disant qu'il y avait des sacrifices humains à Haïti, il a été forcé, au dernier jour de sa vie, de dire qu'il n'avait jamais rien vu de ce genre et qu'il avait inventé ça pour faire vendre son livre. Moi, je n'ai jamais eu l'ombre d'un début, d'un commencement de preuve qu'il y ait eu des choses de ce genre, ce que je crois, ce que je suppose, car je ne fais pas partie des hommes. Encore, peut-être j'en ferai partie un jour. Ce que je suppose, c'est qu'il s'agit des groupes d'autodéfense du vaudou. Qu'il s'agit des groupes qui sont là pour nous faire respecter lorsqu'on nous manque de respect. Or, on ne fait que nous manquer de respect. Ça n'a jamais cessé. Les chrétiens ont eu les templiers, que je sache. Les confréries musulmanes ont combattu elles aussi pour défendre les lieux saints, leurs lieux saints contre les autres lieux saints. Je ne vois pas pourquoi les vaudouisants seraient les seuls, sous prétexte qu'il n'y a pas de dogme dans le vaudou, sous prétexte que le vaudou respecte toutes les religions, car nous vaudouisants avons le plus profond respect pour le christianisme, le plus profond respect pour le judaïsme, le plus profond respect pour l'islam, et nous le prouvons tous les jours. Il y a des saints catholiques dans notre bagui, et quand nous avons des contacts avec les musulmans, ce qui nous est arrivé, ou avec les juifs, ce qui nous est arrivé, nous avons toujours eu le plus profond respect. Je voyais encore l'autre jour dans une caille mystère gravure, une lithographie qui représentait Moïse, c'est-à-dire le créateur du judaïsme en définitive. Nous avons donc le plus profond respect des autres. Mais il y a des moments où le vaudou ne mourra pas. Je suis heureux d'avoir cette occasion de parler à une radio haïtienne, dans ce peuple que j'admire et que j'aime tellement. Le docteur Duvalier m'a bien voulu me dédicacer une photo en disant que quand je voudrais, je pourrais être haïtien, qu'il considérait que Haïti était ma seconde patrie. Eh bien, je voudrais dire que le vaudou ne mourra pas malgré toutes les persécutions. Il les a toutes surmontées. Et peut-être que les obopi ont joué un rôle. Je voudrais qu'on essaye d'y réfléchir. Je n'affirme rien. Je ne sais pas. Quand je ne sais pas, je ne dis pas. J'ai vu, c'est tout. J'ai vu quelque chose. Et je voudrais rappeler que ce que j'ai vu, nous avons des milliers de témoignages sur des choses semblables s'étant passées en Europe. Les hommes volants, les inquisiteurs du Moyen-Âge en citent des milliers de cas. De même, les mystiques chrétiens, avec phénomène de lévitation, sont courants. Pourquoi ça n'existerait pas dans le vaudou? Nous prétendons que le mysticisme vaudou est le plus ancien mysticisme du monde, qu'il est bien antérieur à toutes les religions dites révélées. Dieu s'est révélé aux hommes bien avant qu'il y ait d'autres révélations, vous le savez bien, dans le cœur des hommes, il s'est révélé toujours. Je trouve qu'au lieu, une fois de plus, de commencer par voir le mal et inventer des histoires. Enfin, rappelez-vous, quand on a voulu persécuter les juifs, on disait qu'ils crucifiaient tous les uns, un petit garçon chrétien. C'est toujours la même histoire. La lutte contre les religions dites païennes a toujours été menée de la même manière. Et les chrétiens ont toujours dit que les autres personnes faisaient des sacrifices humains abominables sans en donner un début de preuve. Moi, je suis un celte, je suis un breton. On a toujours raconté que dans nos vieilles religions celtiques, on faisait griller des enfants. Vous savez bien que ça n'est pas vrai. Et je crois que les fameux crimes des Sobobs, j'attends de les voir pour en être sûr. Moi, je dois dire qu'ils m'ont reçu avec beaucoup de courtoisie, avec beaucoup de gentillesse, et que je n'ai pas l'intention de les trahir. Sans trahir des secrets, ce que nous ne demandons pas, l'haïtien que je suis n'oserait pas, parce que quand même, nous parlons, nous philosophons, nous dissertons, nous faisons de la littérature, mais il y a une réalité. Et c'est cette réalité qu'il faudrait quand même essayer de toucher, Claude Plançon. Évidemment, il y a une conception très haute et en même temps très, très élaborée du monde dans la tradition vaudou. Il y a un équilibre dans cette tradition, un sens de l'équilibre entre les hommes et le monde. Cependant, il y a aussi, et je ne crois pas que l'on puisse dire quelque chose contre, il y a aussi une profonde crainte de l'homme face à ces forces mystérieuses qui l'entourent et à cette main des forces mystérieuses qui entourent l'homme et que souvent concrétise le prêtre et souvent concrétise les mystères. Il y a donc une sorte de terreur sacrée. Définitivement, non. Le vaudouisant, le vrai, c'est-à-dire le Wunsi Kanso, les autres ne sont pas des vaudouisants.
Vous savez que le vaudou, disons que sur les 5 millions d'Haïtiens, il y a 4 millions d'Haïtiens qui sont touchés à un moment ou à un autre de leur vie par le vaudou. Soit qu'ils assistent à une cérémonie familiale, soit qu'on est un petit ounfort, un petit péché, soit des choses de genre. Mais ce ne sont pas des vaudouisants, c'est la masse. Les vaudouisants sont les Nsikanzo. Je les évalue à 300 ou 400 000 ou 500 000 à Haïti. C'est-à-dire ceux qui ont subi l'initiation. Ceux-là n'ont aucune crainte des lois. Ils savent très bien que les lois ne peuvent rien leur faire. Et bien au contraire, ils ont secours des lois en toutes circonstances. On nous raconte, il y a un ignoble musée qui est installé par une secte protestante sur la montagne, qu'on appelle le musée de la superstition, où on a volé dans des temples, où on a acheté. En tout cas, on s'est servi d'objets sacrés du vaudou, le chouquette par exemple, ce sabre qui est planté dans le sol, ou des govis, ce qui est très grave car tu sais comme moi que les govis souvent ont contenu l'âme de mort, ou des pots de tête, ce qui est très grave aussi puisque tu sais qu'ils contiennent le psychisme, qui sont là présentés pour rire et pour amuser les touristes étrangers. Et on y déclare que le christianisme a libéré les gens de la peur, ça n'est pas vrai. Je ne veux pas, je ne suis pas ici pour attaquer le christianisme. Mais s'il y a une religion où on parle de l'enfer, s'il y a une religion où on annonce aux gens qui vont être brûlés, ce n'est pas le vaudou. Le vaudouisant n'a en aucune manière peur des mystères. Les mystères sont fraternels, tous, qu'ils soient Rada, Petro ou Zandor. Les mystères sont fraternels, les mystères sont chaleureux. Une Nsikanzo ou un Nsikanzo n'ont peur de rien, même pas de la mort, parce qu'ils savent ce que c'est que la mort. Ils l'ont éprouvé dans la cellule initiatique. Ils savent que c'est pas si dur qu'on le croit. L'initiation vaudou a précisément pour but de te retirer toute crainte, de t'arracher à la magie, de t'arracher à tous ces mensonges et de te mettre en face de la condition humaine réelle. Je m'inscris donc en faux formellement contre cette pseudo-crainte. Ça n'est simplement pas vrai. Allô, allô? Voilà, ça va. Ça va, ça va. Bon, alors, vous avez dit 300 000 initiés, d'accord, 300 000 Kanzo, mais il y a quand même 5 000 Haïtiens. Et ce mec, il est sert. Ah, qu'on le veuille ou non. Alors, ces fidèles, ces serviteurs, ils ont leur loi, ils ont leur mystère à honorer, une fois tous les 18 mois, ou une fois tous les 3 ans, tous les 5 ans. Et quand la période approche, il y a quand même la terreur, hein, Claude Plançon, cette terreur. Non, c'est pas la terreur. Non, c'est le contact avec le sacré. Et le contact avec le sacré, ça n'est pas une petite affaire. C'est tout d'un coup de s'apercevoir qu'on n'est pas seul, qu'on est relié. Qu'on est relié d'abord à ses morts. Nous, en Occident, à ses morts. Nous, d'abord, en Occident, on a perdu le culte des morts. Vous savez que la mort, ça se fait en douce, en cachette. On ne veille plus les morts, on ne va plus au cimetière, on ne parle plus de la mort, on en a honte, on cache ceux qui vont mourir derrière un paravent dans les Haïtiens, grâce à Dieu, comme nos ancêtres. Nos ancêtres, rappelez-vous, avaient sur nos ancêtres occidentaux, avaient ce qu'on a mal traduit, les dieux lards, c'est-à-dire les ancêtres présents. Eh bien oui, parfaitement. On doit chaque année, ou chaque 2 ans, ou chaque 7 ans, les servir. Rappeler qu'ils sont toujours vivants, qu'ils ne sont pas morts, qu'ils sont avec nous, qu'ils sont autour de la table familiale. Et naturellement, si on y manque, on a honte. Et naturellement, si on y manque, on se dit qu'on va avoir des malédictions. Et c'est vrai, quand on trahit ses morts, on est puni. Et c'est très bien. Et c'est très juste. Encore une fois, le vaudou, ça n'est pas une religion de la tendresse, du pardon, de l'oubli. Non, on doit faire ce qui doit être fait. Et c'est pour ça, parce que vous avez la fidélité à vos morts, que le docteur François Duvalier n'est pas mort. Mathilda, chaque fois qu'elle passe ici, va lui parler à sa tombe. Que Dessalines n'est pas mort. Que Toussaint Louverture n'est pas mort. Que Charlemagne Peyrade, quoi qu'il ait été crucifié sur la porte de la cathédrale de Hinche, n'est pas mort. Les morts sont présents. Et le jour où le peuple haïtien trahira ses morts, il pourra effectivement avoir la terreur. Mais cette terreur, bon, je vous concède le mot, Claude Plançon. Cependant, le paysan qui n'a qu'un dixième de carreau pour gratter son maïs ou fouiller ses patates, et qui sait que tous les 4 ans ou tous les 7 ans, il doit vendre un bœuf pour aller honorer ses morts. Ah, est-ce qu'il n'y a pas là une forme d'aliénation terrible? Non, pas du tout, c'est juste le contraire de l'aliénation, à mon avis. Dans un ouvrage très remarquable, d'une étude sur les religions, faite par toute une équipe de prêtres et d'évêques, qui s'appelle Christus, qui est un manuel de l'histoire des religions,
paru vers 1947 ou quelque chose de ce genre, à propos du sacrifice, on insiste sur la valeur exemplaire du sacrifice. Sacrifier et perdre quelque chose de très important. Dans la vie, il faut toujours payer. Voyez-vous, Jean-Dominique, il faut toujours payer. On n'a rien sans payer. Les psychanalystes modernes demandent de très hauts honoraires à leurs patients pendant des années. Et la cure en dépend dans une grande mesure. Il faut qu'il y ait un très grand sacrifice pour que la cure donne son plein effet. Il est plaisant de voir que la science moderne, puisque la psychanalyse se prétend une science, il est plaisant que la science moderne ait retrouvé les traditions du vaudou. À savoir qu'il faut de grands sacrifices si on veut avoir des bienfaits. On n'a rien pour rien. C'est une vieille loi, vous savez, en amour, si tu n'aimes pas une femme, elle ne t'aimera pas. Tôt ou tard, et réciproquement. C'est une vieille loi, c'est la loi de l'amour. C'est ça le vrai amour. C'est le sacrifice pour les autres. Et c'est là où les chrétiens ont trouvé une chose admirable, c'est le sacrifice du Christ, non ? Qui se sacrifie, et bien c'est la même chose. Et lui, il s'est sacrifié son propre corps et sa propre chair. Et bien les vaudous, ils en sacrifient ce qu'ils ont de plus beau. Un bœuf, un cabrit, un cochon, une poule, une mangue, quelquefois seulement quand ils n'ont qu'une mangue. Ils disent qu'il faut que les morts mangent avec eux, que les lois mangent avec eux. C'est la plus belle de toutes les communions. C'est la communion de l'homme avec le reste de la nature, avec ses morts. Et c'est la preuve que nous avons raison, nous vaudouisants, quand nous pensons que la mort n'existe pas. Que nous sommes à la fois morts et vivants. Tous nos morts sont en nous. Tu sais bien, Jean-Dominique, que ta mère est là, que ton père est là, que tes grands-parents, tes arrière-grands-parents sont en toi. Toute la psychanalyse moderne, elle aussi le dit. Nous ne sommes pas seuls. Le monde occidental a visé à nous couper de toutes nos racines dans toutes les directions et à nous rendre seuls. Et on a vu à quoi ça aboutit. Ça aboutit, pour reprendre un vieux mot, à la folie. Et pour prendre un mot moderne, à la psychose épouvantable, la manie dépressive, la schizophrénie, qui est vivre dans un espèce d'univers différent, etc. L'équilibre du vaudouisant, l'équilibre du paysan haïtien, elle est faite en effet de sacrifice, comme nous tous. Il n'a pas la télévision. Il n'a peut-être même pas la radio. Il n'a pas un réfrigérateur. Il n'a pas une automobile. Mais j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus heureux que l'ouvrier d'usine de chez nous, qui a un réfrigérateur, qui a la télévision, qui a une automobile. Tout le monde occidental, au cours de ces 10 dernières années, est en train de reconsidérer sa position et de s'apercevoir qu'il était extrêmement malheureux à travers son bien-être matériel. Naturellement, je souhaiterais que le peuple haïtien progresse, qu'il soit moins malheureux, qu'ils aient plus d'argent, qu'ils aient plus de bien-être et qu'il n'y ait pas de problème d'alimentation et de ce genre. Nous sommes tous d'accord. Mais je crois, j'en suis sûr, que le sacrifice que va faire le paysan prouve qu'il est parfaitement un être humain. Et que c'est en ça qu'il se diffère de l'animalité. C'est qu'il... Il est un être humain au sens complet du terme. Il n'a renoncé à rien de la qualité d'homme. Claude Plançon, mettons les choses au point à présent. Je tiens à définir ma position. Parce qu'en nous écoutant, l'auditeur pourrait être tenté, et vous pourriez être tenté, de dire que je vous conteste de l'autre côté de la barrière. Je suis profondément, et tout le monde le sait, à Port-au-Prince et en Haïti, à ce micro où je défends souvent les valeurs culturelles de mon peuple, je suis profondément convaincu, comme vous, que les traditions que représente le vaudou, que prolonge le vaudou en Haïti, sont pour nous une raison d'équilibre avec nous-mêmes et d'équilibre avec notre milieu, notre écologie, puisqu'on en parle. Bon. Ceci dit, je ne veux quand même pas, à cause de cette défense et illustration des traditions culturelle et religieuse, me mettre à genoux devant. Je veux critiquer. Je veux savoir ce qu'il y a au-delà. Je veux savoir ce que cela cache, ce que cela peut cacher, comme toute religion, d'éléments d'aliénation. N'est-ce pas ? Bon. Alors, je vous arrête sur le côté sacrifice. Il est évident qu'il y a là un profond mystère, dans le sens le plus étymologique, le plus médiéval du mot. Profond mystère de l'homme, c'est que l'homme doit donner quelque chose de lui-même pour avoir cet équilibre, pour avoir cette sérénité en face de lui-même, en face des autres. C'est évident. Bon, cependant, un dixième de carreau, c'est pas beaucoup. C'est un mouchoir de poche. Et si, au bout de la chaîne, au bout du sacrifice, il y a un sacerdote qui en profite, qui lui est un gros foncier, nous touchons là peut-être la structure féodale du vaudou. Oui.
Alors, il faut encore revenir aux persécutions. Nous savons, de manière sûre, parce que c'est un exemple dans tous les pays, que lorsqu'il y a persécution, lorsqu'il y a mépris, lorsqu'on peut écrire, comme je l'ai lu il y a 4 ans dans un journal haïtien, que les Ungan et Mambo étaient tout en bas de l'échelle sociale. Nous savons que quand on place les gens en bas de l'échelle sociale, ils ont tendance à se comporter parfois, les moins bons, comme des gens qui ne sont pas dignes d'être là du premier échelon. Si on voulait faire l'effort de considérer les prêtres vaudous au même titre que les prêtres catholiques, les prêtres protestants, les imams musulmans ou les rabbins, il ne pourrait pas y avoir parmi eux certains mauvais prêtres. Il ne pourrait pas y avoir parmi eux certains faux prêtres, puisque les autres seraient reconnus. J'ai lu l'évolution stadiale du vaudou, je l'ai étudié soigneusement, et en lisant cet ouvrage, on réalise parfaitement comment le refus de considérer le vaudou comme une authentique religion pousse une partie du vaudou vers une chose qui effectivement n'est pas la religion, mais les coupables ne sont pas les vaudouisants, les coupables ce sont les adversaires du vaudou. Pendant longtemps, rappelez-vous, nous avons considéré, nous chrétiens, nous avons considéré pendant longtemps l'islam comme servant le diable, rappelez-vous. Rappelez-vous que les templiers ont été brûlés sous prétexte qu'ils avaient une idole qui s'appelait le Baphomet. Rappelez-vous toutes ces histoires-là qui étaient des mensonges. Et les malheureux templiers sous la torture ont avoué qu'ils servaient le diable, qu'ils embrassaient le derrière d'un bouc. Enfin, c'est toujours les mêmes histoires. Ce qu'on reproche aux vaudous, c'est ce qu'on a reproché à tout le monde, aux albigeois, aux vaudois, à toutes les gens qui ont voulu ne pas accepter la règle et se défendre contre les gens qui voulaient niveler tout et imposer à tout le monde un dogme commun. Rappelez-vous ce qu'on a dit de nos mystères de l'Antiquité, la prostitution sacrée. Tout ça, c'était des mensonges. Tout ça, ce sont des inventions de toutes pièces, des fausses interprétations. Toutes nos mythologies de notre Occident ont été défigurées littéralement par cette oppression, par cette volonté de nivelage, qui ne correspond pas, bien entendu, au vrai esprit chrétien. Je crois donc que c'est dans la mesure où vous, haïtiens, prendrez conscience que le vaudou est une religion comme les autres, et j'oserais dire une religion prioritaire et antérieure aux autres, et qui représente une valeur culturelle importante et indispensable à l'humanité. C'est dans cette mesure-là que vous n'aurez plus des bocaux, que vous n'aurez plus des unganchacha, qui parfois, effectivement, parce qu'il faut bien vivre, parce que ceci, parce que cela. Mais à ce compte-là, rappelez-vous nos prêtres du Moyen-Âge, rappelez-nous nos abbés paillards, rappelez-vous nos moines paillards, rappelez-vous les scandales qui se sont passés dans les monastères, ça ne touche en rien le christianisme. Donc ce qui les bavures du vaudou ne touchent en rien le vaudou. Bravo, je dis, parce que je me rends compte que si le vaudou n'est pas prosélyte, eh bien, ce nouvel adepte est vraiment d'un zèle, hein, en retirer son chapeau bas devant ce nouveau mystère Claude Plançon. Cependant, il faut aussi signaler que s'il y a de mauvais prêtres, s'il y a même eu de mauvais évêques, il y a même eu de mauvais papes, s'il y a eu tout un pan de cette église catholique ou chrétienne d'Europe occidentale à être rejetée par la modernité de la conception chrétienne, en analysant bien, on se rend compte que c'est parce que cette église, qu'on appelle l'église mauvaise, a soutenu un certain régime social. Il y a donc un rapport entre le mauvais prêtre, le moine paillard du Moyen-Âge, et le seigneur paillard lui aussi, il se donnait la main. Il y a un rapport entre ce curé obscurantiste d'une province française du 19e et le sous-préfet qui lui aussi était aussi obscurantiste. Il y a des rapports entre le temporel et le spirituel, et ces rapports sont évidents dans notre société paysanne. Et ne doit-on pas imaginer, parce que je ne vais pas vous taquiner sur la féodalité, les structures féodales du vaudou, non, mais ne doit-on pas imaginer une future séparation, non de l'Église et de l'État, puisque ça n'existe pas chez nous, le vaudou n'est pas religion d'État, mais ne doit-on quand même pas imaginer une séparation du culte vaudou, de son enracinement structurel, son enracinement temporel, son enracinement dans la société elle-même. Que le Ungan ne soit plus un gros foncier, ni le notaire du coin, celui qui rançonne et qui prébande, non ?
Non, absolument pas, non. Vous savez ce que veut dire mambo en fond, ça veut dire reine. Oui, effectivement, les Ongans et les Mambo se considèrent comme les authentiques descendants des rois africains qui détenaient le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel par surcroît. Il est vrai qu'à Haïti, les structures du vaudou ont représenté les structures authentiques du peuple, pas seulement de la paysannerie. Je ne veux pas qu'on me raconte que le vaudou est une affaire paysanne. Le vaudou est autant une affaire urbaine qu'une affaire paysanne. Il est vrai qu'en face d'une féodalité bourgeoise capitaliste, il y avait, et il y a toujours, une féodalité populaire, paysanne et prolétarienne. Il est vrai que les églises chrétiennes, qu'on le veuille ou non, représentaient ici une promotion sociale. Il est vrai que d'être catholique ou d'être protestant représentait et représente encore une promotion sociale, de même que parler le français est une promotion sociale. Il est vrai, mais je ne me permets pas de juger Haïti, parce que, en l'occurrence, c'est la même chose, ça a été la même chose dans notre Occident sous une autre forme. Il est vrai qu'il y a deux couches de société, une couche de société qui parle français, qui est catholique ou protestante, et qui prétend détenir la culture, à tort, et qu'il est vrai qu'elle prétend détenir le savoir, et il est vrai qu'il y a une deuxième couche de la société, qui représente le peuple, qui détient le gai savoir, comme disait Nietzsche. Par opposition. Donc ce que vous proposeriez de détruire sont les structures populaires, c'est-à-dire livrer le peuple sans armes, sans structure, les véritables structures populaires. Lorsque vous avez besoin de faire une fête populaire comme le carnaval ou comme les raras, où allez-vous le chercher sinon ailleurs que dans le vaudou? Autrement, vous tombez dans les chars avec les orchestres modernes, l'assimilation, c'est-à-dire la destruction très rapide du carnaval, le jour où le carnaval n'est plus. Mais le blanchiment du carnaval, quand je vois une reine carnavalesque qu'on a choisie sous prétexte qu'elle savait lire, écrire et qu'elle pourrait parler bien le français, qu'elle était en seconde, j'en parlais l'autre jour au maire d'une ville haïtienne, je lui ai dit, vous auriez mieux fait de choisir une paysanne, excusez-moi, elle eût été plus représentative de population. L'essentiel, c'est qu'elle soit représentative de la population. Le fait qu'un Ongan, ce qui n'est pas courant d'ailleurs, soit un gros propriétaire terrien ne me gêne en rien. D'abord, gros propriétaire. Disons moyen propriétaire terrien. Ça ne me gêne en rien. Au contraire, ça lui donne de l'indépendance. Le fait que ce Ongan, lorsqu'un grand bourgeois avec une grosse voiture américaine vient lui demander de faire des wanga pour obtenir ceci ou cela, lui demande beaucoup d'argent, il a raison, le Ongan. Faut bien qu'il fasse vivre son temple. Je connais une Mambo pour laquelle j'ai le plus grand respect, la plus grande estime, parce que c'est une des femmes les plus bonnes, les plus saintes au sens chrétien du mot que je connaisse. Elle a à sa charge 136 personnes à nourrir par jour. Elle a des petits-enfants à sa charge. C'est pas eux, avec leurs 4 sous, qui peuvent faire vivre ce temple. Chacun apporte ce qu'il peut. Mais grâce à Dieu, il vient quelquefois des grands bourgeois lui demander de faire ceci ou cela, et elle leur demande beaucoup d'argent. Elle a raison. Qu'est-ce que fait d'autre le prêtre catholique lorsqu'il demandait au Seigneur de construire sa cathédrale, lorsqu'il demandait à ma propre grand-mère de mettre des vitraux dans l'église Saint-François de Sales? Qu'est-ce qu'il faisait d'autre? Je pense que détruire les cadres du vaudou, ne pas leur arracher leur sécularisation, c'est détruire le vaudou lui-même. Aucune église n'a vécu sans hiérarchie. Il y a effectivement une hiérarchie dans le vaudou, mais n'oubliez jamais surtout cette chose tellement importante que le prêtre vaudou a tout fait de lui-même. Enfin, je rappelle pour les gens qui ne le savent pas, qu'il ne suffit pas d'avoir reçu le haçon pour avoir un temple, qu'il faut ensuite le construire. Qu'il faut ensuite, on n'a pas de canzo tant que les gens n'acceptent pas d'être vos propres enfants. Il faut donc trouver des gens qui vous aiment assez pour devenir, pour souhaiter devenir vos propres enfants, qui acceptent les lourds sacrifices qu'implique l'initiation canzo pour faire vivre le temps, que donc le Ongan ou la Mambo ont fait bien plus que n'a jamais fait un psychanalyste. Ils ont sacrifié toute leur vie à ça, qu'ils en trouvent quelques bénéfices matériels ne me gênent en rien, d'autant plus qu'ils les redistribuent en toute occasion. Enfin, il suffit d'aller dans n'importe quel temple, dans l'endroit le plus pauvre, aller à Bel Air comme j'y étais l'autre jour, on va pas dire que c'est un quartier riche, voir les sacrifices que font les Ongans et les Mambo pour qu'il y ait de la tenue chez eux, pour qu'il y ait de la propreté. Je m'inscris totalement en faux contre tout le mal qu'on dit des Ongans et des Mambo. Je prétends qu'il s'agit d'une forme pernicieuse et habile de la persécution. Les vrais Ongans et les vrais Mambo, encore une fois, je parle de ceux qui ont le haçon et ceux qui ont reçu le secret, sont, à ma connaissance, d'une très haute qualité morale que je souhaiterais voir partagée par les prêtres de toutes les autres religions. Claude Plançon, avec Mathilda Beauvoir, celle que vous appelez votre mère spirituelle. Claude Plançon, vous avez, avec Mathilda Beauvoir, depuis quelques années, un houfort à Paris. Vous avez même un couvent autour de ce houfort.
L'on vous accuse, Mathilda et vous, de faire du commerce de notre religion en plein cœur de Paris. Vous noterez que c'est exactement ce qu'on reproche aux Ungans et aux Mambo Haïti. Et c'est exactement le même cas. Non seulement nous ne faisons aucun commerce, mais je dois dire que je m'y suis ruiné. Grâce à Dieu, j'avais un certain nombre d'héritages de mes parents qui m'avaient laissé un peu d'argent. Et puis, je vais vous raconter un secret que je n'ai encore jamais dit à personne. Je suis breton. Ma famille est originaire de Saint-Malo. Dans ma famille, dans la famille de ma grand-mère et de mon grand-père, quand j'étais un petit garçon, on montrait des objets qui venaient de Saint-Domingue. Et ma famille a fait fortune dans le trafic du bois d'ébène. C'est pas possible. C'est vrai. Vous êtes un sale esclavagiste. Voilà. Alors peut-être que les lois ont voulu que je restitue ce que mes ancêtres avaient volé. Et le Hunfort que nous avons fait à Paris n'est pas du tout une affaire commerciale, tant s'en faut, étant donné que nous faisons des cérémonies une fois ou deux par semaine au maximum, et que vous savez ce que coûte, vous qui avez voyagé, Jean-Dominique, des immeubles, des locaux, les lumières, enfin vous imaginez que ce sont des millions. Invitez aussi, comme nous le faisons chaque année, une quinzaine de Hunsi à venir vivre avec nous en communauté pendant 10 mois pour retourner ensuite dans leur pays pour s'acheter une terre et devenir indépendant. Vous imaginez, compte tenu du prix de l'avion seulement de Port-au-Prince à Paris, que ça ne peut pas, quoi qu'il arrive, être une affaire commerciale. Ce qui m'inquiète, c'est que ça ne pourra peut-être pas durer toujours, mais grâce à Dieu, avec le prince Pierre de Grèce et de Danemark, avec le professeur Broïda, avec le docteur Donard, avec Nadjoudine Bamat qui est directeur des relations culturelles de l'UNESCO, avec l'appui de Matarmbo qui est le directeur général de l'UNESCO, grâce à Dieu, nous avons pu constituer des associations qui, je ne vous cache pas, aident à rendre matériellement les choses possibles. Alors à parler de commerce à partir de là, excusez-moi, il s'agit là donc purement et simplement toujours de la même vieille histoire, salir ceux qui ne pensent pas comme vous. Moi, je ne dis pas que le christianisme est un commerce. Claude Plançon, le vaudou à Paris, pourquoi ? Pourquoi les Blancs seraient-ils un beau jour touchés par notre grâce ? Quand j'ai connu le vaudou, vous savez ce que ça m'a appris ? Ça m'a fait découvrir ma culture, à moi occidentale. Je ne veux pas dire naturellement que le vaudou vienne de l'Occident, c'est pas ça du tout. Je veux dire que le vaudou, comme je répète, n'est qu'un rameau d'une grande tradition primordiale qui a vécu partout, d'un grand mouvement spirituel universel, initiatique. Pendant toute ma jeunesse, on m'a appris ce qu'était la Grèce antique, on m'a parlé des religions à mystère, on m'a parlé d'Eleusis, qui est devenu un cimetière chrétien, il ne reste rien. Il n'y a pas un texte sérieux sur Eleusis, sinon des défigurations. Même les poèmes qui ont été écrits à l'époque ont été falsifiés par les traducteurs chrétiens. Donc j'ai retrouvé dans le vaudou ce qui était notre grande tradition. Rappelez-vous que tous les grands hommes de l'Antiquité parlent des mystères d'Eleusis comme du plus beau jour de la plus belle période de leur existence quand ils ont été initiés au mystère. Le vaudou m'a restitué les mystères d'Eleusis. Le vaudou m'a restitué Dionysos. Le vaudou m'a restitué mon antiquité gréco-latine, mon antiquité celtique, le druidisme, les traditions germaniques, tout ce qui faisait les traditions authentiques de l'Occident. Qui ont été détruits par le judéo-christianisme. Pas détruits tout à fait, bien sûr. La preuve, c'est que ça ne demande qu'à jaillir comme une source qu'on a murée et qui éclate. Et alors là a été le phénomène le plus extraordinaire. Dans le Hunfort. Oui, on dit que certains de vos spectateurs, initiés par Mathilda, arrivent à connaître l'extase sacrée. Est-ce vrai ? Mais naturellement que c'est vrai, c'est même une banalité. Des centaines de Français ont été montés par les lois, parce que je ne veux pas qu'on parle du mot possession, qui est un mot abominable, qui date, comme vous le savez, de l'Inquisition. Mais bien entendu, je vais vous raconter une petite histoire. Un jour avait lieu à Paris un congrès de médecins très important qui s'occupe des problèmes de sophrologie plus particulièrement. Ce congrès était un congrès international, il y avait des Allemands, des Espagnols, des Anglais, c'était présidé par le docteur Donard, qui est un médecin psychiatre français très célèbre et très connu. Ils ont téléphoné à Mathilda en disant, à la fin de ce congrès où nous avons étudié les phénomènes dits de possession et nous avons conclu qu'ils dépendaient de conditions socio-économiques particulières, thèse qui a été défendue souvent, vous le savez, par un bon nombre d'ethnologues, mais ça nous intéresserait de voir une cérémonie vaudou, est-ce que vous nous autoriseriez, parce que c'est complètement fermé, notre Hunfort, seules les personnes qui... C'est pas du tout un spectacle qui est montré aux gens, bien entendu, ça n'a rien à voir avec les fausses cérémonies vaudou qu'on voit à Haïti. Est-ce que vous accepteriez de nous recevoir à une quarantaine ?
Tilda a dit oui, d'accord, docteur, elle connaissait bien Donna, elle savait que c'était sérieux, et ils sont venus. Ils sont arrivés très en retard, parce qu'ils avaient eu leur réunion de congrès, s'est terminée vers 10h du soir, et, ou vers 9h du soir, et la cérémonie battait son plein. Le docteur Donnard était là donc avec une quarantaine d'Occidentaux, dont sa fille, qui est psychiatre, à Sainte-Anne. Sa fille a été montée par maîtresse Erzuli à la porte de Hunfort. Et pendant une heure, elle a réclamé ses colliers. Elle a réclamé son parfum. Elle a réclamé son siège sur lequel elle s'est assise. Elle a tendu le petit doigt, ce qu'aucun occidental ne pouvait connaître, les deux petits doigts, ce qui est la manière dont maîtresse Erzuli salue. Elle a tendu deux petits doigts au spectateur et elle s'est mise à parler en créole. Elle n'avait jamais entendu parler du créole et elle s'est mise ensuite à chanter une chanson en fongbé, c'est-à-dire dans la langue secrète des temples dahoméens. Alors expliquez ça comme vous voudrez maintenant. Je n'explique pas ça. Moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Cependant, cela va un peu à l'encontre de ce que j'imaginais. Et nous allons peut-être toucher là quelque chose d'un tout petit peu plus profond que ce que nous avons dit jusqu'à présent. Cela va à l'encontre de ce que je m'imaginais, parce que, en définitive, Claude Plançon, Erzuli, Agueta Royo, Dambala, Ogou, Baron, Grand, sont pour celui qui les sert, celui qui est bientôt monté par eux, sont une tradition, un flux profond, un courant profond qui nous vient de très loin, que parfois on ignore, mais qui sont dans la tradition d'un peuple, dans la mémoire collective de ce peuple. Alors c'est ça que je ne comprends pas, que cette bonne femme, brusquement, qui est sur la rive, elle est sur la rive, elle voit passer le flot, le flot passe devant elle. Alors c'est ça que je ne comprends pas, Claude Plançon. Alors voyons, quand on considère, j'ai fait dans mon livre Annecy parle un petit tableau. Je prétends pas donner une leçon à qui que ce soit, mais j'ai essayé de moi-même de voir clair, où j'ai mis côte à côte les principaux lois du vaudou haïtien avec leurs caractéristiques, leurs couleurs, leurs arbres, les arbres qui leur correspondent dans le monde végétal, le comportement qu'ont les gens quand le loi les monte, les animaux qui leur sont sacrifiés et leur correspondance avec ce qui me semblait être les mythologies grecques, romaines, celtiques, germaniques. On retrouve toujours et partout les mêmes. Bien entendu que Erzulis et Vénus. Ou bien entendu que Calphus et Hécate. Bien entendu que Agoué, c'est Neptune ou Poséidon. Et même correspondance. Bien entendu qu'il y a trois Erzulis, n'est-ce pas? L'Erzuli Rada, l'Erzuli Petro, l'Erzuli Dantor. Et comme par hasard, dans les mythologies celtiques et germaniques, il y a trois déesses de l'amour. Déesse, le mot est très mauvais. Trois esprits de l'amour. Ou plus exactement mystères de l'amour. Trois mystères de l'amour, ou plus exactement un amour à trois faces. Ce que nous connaissons bien, c'est l'amour sensuel, sexuel, tendre, celui d'Erzuli. C'est l'amour violent, la passion, qui est Erzuli et Erzuli Dantor. Et c'est l'Erzuli, ensuite Erzuli Zila ou Erzuli Yeux Rouges, qui est la mère castratrice. C'est-à-dire les trois formes de l'amour que nous rencontrons tous les jours autour de nous. Et ça, c'est tout à fait significatif. Donc, ces archétypes, pour reprendre le mot de Jung, ces archétypes sont dans l'inconscient de tous les hommes. Et c'est peut-être par la voie de l'inconscient collectif dont parle Freud, peut-être qu'il y a un fond commun à tous les hommes, un inconscient, des canaux qui nous relieraient à un inconscient, qui nous concernent tous, qui ont permis que, du moment qu'il s'agissait d'une cérémonie de vaudou haïtien, elle s'exprime en haïtien, de même que, combien de fois l'Inquisition parle de gens qui, c'est même une des preuves de la possession diabolique, disent-ils, qui parlent une langue étrangère qu'ils ne peuvent pas connaître, qui parlent le latin, qui parlent l'araméen. Il s'agit là de, tout d'un coup, de l'irruption de l'inconscient collectif dans le conscient d'une personne, et qui apparaît à la surface. Mais attention, Claude Plançon, vous êtes en train de diluer notre authenticité. Vous êtes en train, avec Jung, avec Freud, avec Adler, avec tant d'autres, et avec vos archétypes, de diluer ce qu'il y a de plus original chez nous, de plus essentiel dans notre personnalité. Évidemment, Erzuli a trois faces, évidemment. Mais
c'est quand même le cœur pintelé, c'est quand même notre cœur à nous. Évidemment, Neptune et Poséidon, c'est Agueta Royo, mais attention, là encore, je vais retrouver cette structure de notre société féodale et post-coloniale, donc encore coloniale, quoique post. Agueta Royo, c'est un blanc yeux bleu babcanel. Et là, il y a Claude Plançon, cette terreur négrière du traumatisme de la mer. Non, ça va. Je ne crois pas. Je vais te dire pourquoi. Je ne crois pas. Lorsqu'on a découvert les premiers ossements, les ossements d'un des premiers êtres humains qui a vécu dans notre Occident, en France, on l'a appelé l'homme de Grimaldi. Depuis, on a étudié le squelette et on s'est aperçu qu'il s'agissait d'une femme et d'une femme noire. Tu sais que le squelette des noirs n'est pas le même que le squelette des blancs, tout à fait. On a découvert que c'était une femme noire et ce n'est pas un hasard si dans le catholicisme, il y a des quantités de vierges noires qui sont des représentations de la terre-mère, qui sont bien entendu d'anciennes idoles, pour prendre la phraséologie habituelle, et que nous respectons. Il y en a une à Chartres, on l'appelle Notre-Dame de Souterre. Il y en a une à Cracovie. Il y a aussi... Chez Stokova. Il y en a partout. Il y en a des dizaines. Et très souvent, sur la Vierge de Cracovie, par exemple, on voit deux scarifications sur la joue. Scarification que l'on retrouve dans la Vierge des Sept Douleurs de l'Amérique latine, qui est représentée sur l'identor dans les Unfor. C'est assez troublant, hein, c'est bien des vierges qui représentent, qui ont été assimilées par le christianisme. Ce fameux odieux mélange, horrible mélange dont on nous parle, ce ne sont pas les vaudous, ce fameux syncrétisme dont on nous parle, non seulement n'est pas à sens unique, mais a été imposé par les chrétiens. Les vaudouisants n'y sont pour rien. C'est parce qu'on leur a imposé ces images, quand on les a christianisées de force, qu'ils ont assimilé simplement ces images. Non, en fait, non. Alors là, une petite parenthèse, vous me permettez que c'est un syncrétisme de protection. Hein? Bien entendu que c'est un... Et pas seulement de protection. Je connais l'exemple, il est très clair, parce que je me suis amusé à faire la chose en Afrique. C'est-à-dire amener des images chrétiennes dans des temples du Vaudoune, dans ce qu'on appelle les couvents fétichistes, dans cette affreuse langue des missionnaires et des ethnologues. Dans des couvents fétichistes, je me suis amusé dans des couvents fétichistes où ils n'avaient aucun contact avec l'imagerie chrétienne. Donc aucune contrainte. Donc aucune contrainte à leur montrer des images. Ils ont reconnu. Ils ont reconnu des esprits. Par exemple, le Buroku. Mm-hmm. La fameuse représentation de Saint-Jacques sur un cheval noir avec un sabre à la main et un manteau rouge. J'ai dit que c'est quoi toi pour toi, ça? Ah ben ils ont dit c'est au goût. Bien sûr, c'est le rouge et c'est le sabre, c'est le symbole de la guerre, c'est le symbole de la violence. Pour en revenir à cette Vierge Noire. Eh bien, pour en revenir à cette Vierge Noire, nous prions donc, nous, occidentaux, une Vierge Noire, non? Je ne vois pas du tout pourquoi ce serait gênant que vous reconnaissiez que certains lois soient blancs. Il y a un fond commun de l'humanité. L'homme, tu le sais aussi bien que moi, est né en Afrique. Nous savons maintenant, nous le savons de source absolument sûre. Vous allez voir bientôt à Haïti un film qui a été tourné dans tout le monde noir, sur la diaspora noire, par un garçon qui s'appelle Mazel, qui a tourné d'ailleurs une cérémonie à Vaudou à Haïti, que dirige Mathilda Beauvoir, dans un temple qui se trouve en pleine ville. Il insiste sur cette naissance de l'humanité en Afrique. Je crois que nous partons tous d'un fond commun. Bien sûr que chaque peuple est authentique. Bien sûr que le peuple haïtien est particulièrement authentique et a particulièrement maintenu son authenticité culturelle. Sans trahir des secrets, ce que nous ne nous demandons pas, l'haïtien que je suis n'oserait pas. Parce que quand même, nous parlons, nous philosophons, nous dissertons, faisons de la littérature, mais il y a une réalité. Et c'est cette réalité qu'il faudrait quand même essayer de toucher, Claude Plançon. Évidemment, il y a une conception très haute, et en même temps très, très élaborée du monde, dans la tradition vaudou. Il y a un équilibre dans cette tradition, un sens de l'équilibre entre les hommes et entre les hommes et le monde. Cependant, il y a aussi, et je ne crois pas que l'on puisse dire quelque chose contre, il y a aussi une profonde crainte de l'homme face à ces forces mystérieuses qui l'entourent et à cette main des forces mystérieuses
qui entoure l'homme et que souvent concrétise le prêtre et souvent concrétise les mystères. Il y a donc une sorte de terreur sacrée. Définitivement, non. Le vaudouisant, le vrai, c'est-à-dire le Wunsikanso, les autres ne sont pas des vaudouisants. Vous savez que le vaudou, disons que sur les 5 millions d'Haïtiens, il y a 4 millions d'Haïtiens qui sont touchés à un moment ou à un autre de leur vie par le vaudou, soit qu'ils assistent à une cérémonie familiale, soit qu'on est un petit Wunfort, un petit péché, soit des choses de genre. Mais ce ne sont pas des vaudouisants, c'est la masse. Les vaudouisants sont les Wunsikanso, je les évalue à 300 ou 400 000 ou 500 000 à Haïti. C'est-à-dire ceux qui ont subi l'initiation. Ceux-là n'ont aucune crainte des lois. Ils savent très bien que les lois ne peuvent rien leur faire. Et bien au contraire, ils ont le secours des lois en toutes circonstances. On nous raconte qu'il y a un ignoble musée qui est installé par une secte protestante sur la montagne, qu'on appelle le musée de la superstition, où on a volé dans des temples, où on a acheté. En tout cas, on s'est servi d'objets sacrés du vaudou, le chouquette par exemple, ce sabre qui est planté dans le sol, ou des govis, ce qui est très grave car tu sais comme moi que les govis souvent ont contenu l'âme de mort, ou des pots de tête, ce qui est très grave aussi puisque tu sais qu'ils contiennent le psychisme, qui sont là présentés pour rire et pour amuser les touristes étrangers. Et on y déclare que le christianisme a libéré les gens de la peur, ça n'est pas vrai. Je ne suis pas ici pour attaquer le christianisme, mais s'il y a une religion où on parle de l'enfer... S'il y a une religion, on annonce aux gens qu'ils vont être brûlés, ce n'est pas le vaudou. Le vaudouisant n'a en aucune manière peur des mystères. Les mystères sont fraternels, tous, qu'ils soient Rada, Petro ou Zandor. Les mystères sont fraternels, les mystères sont chaleureux. Une Wunsikanso ou un Wunsikanso n'ont peur de rien, même pas de la mort, parce qu'ils savent ce que c'est que la mort. Ils l'ont éprouvé dans la cellule initiatique. Ils savent que ce n'est pas si dur qu'on le croit. L'initiation vaudou a précisément pour but de te retirer toute crainte, de t'arracher à la magie, de t'arracher à tous ces mensonges et de te mettre en face de la condition humaine réelle. Je m'inscris donc en faux formellement contre cette pseudo-crainte. Ça n'est simplement pas vrai. Bon, alors, vous avez dit 300 000 initiés, d'accord, 300 000 kanzo. Non, c'est fidèles, c'est serviteurs. Ils ont leur loi. Ils ont leur mystère à honorer, une fois tous les 18 mois, ou une fois tous les 3 ans, tous les 5 ans. Et quand la période approche, il y a quand même la terreur. Hein, Claude Plançon, cette terreur. Non, c'est pas la terreur. Non, c'est le contact avec le sacré. Et le contact avec le sacré, ça n'est pas une petite affaire. C'est tout d'un coup de s'apercevoir qu'on n'est pas seul, qu'on est relié. Qu'on est relié d'abord à ses morts. Nous, en Occident, à ses morts. Nous, d'abord, en Occident, on a perdu le culte des morts. Vous savez que la mort, ça se fait en douce, en cachette. On ne veille plus les morts, on ne va plus au cimetière. On ne parle plus de la mort, on en a honte. On cache ceux qui vont mourir derrière un paravent dans les Haïtiens, grâce à Dieu, comme nos ancêtres. Nos ancêtres, rappelez-vous, avaient sur nos ancêtres occidentaux, avaient ce qu'on a mal traduit, les dieux lards, c'est-à-dire les ancêtres présents. Eh bien oui, parfaitement. On doit chaque année, ou chaque 2 ans, ou chaque 7 ans, les servir, rappeler qu'ils sont toujours vivants, qu'ils ne sont pas morts, qu'ils sont avec nous, qu'ils sont autour de la table familiale. Et naturellement, si on y manque, on a honte. Et naturellement, si on y manque, on se dit qu'on va avoir des malédictions. Et c'est vrai, quand on trahit ses morts, on est puni. Et c'est très bien. Et c'est très juste. Encore une fois, le vaudou, ça n'est pas une religion de la tendresse, du pardon, de l'oubli. Non, on doit faire ce qui doit être fait. Et c'est pour ça, parce que vous avez la fidélité à vos morts, que le docteur François Duvalier n'est pas mort. Mathilda, chaque fois qu'elle passe ici, va lui parler à sa tante. Que Dessalines n'est pas mort. Que Toussaint Louverture n'est pas mort, que Charlemagne Peyrade, quoi qu'il ait été crucifié sur la porte de la cathédrale de Hinges, n'est pas mort. Les morts sont présents. Et le jour où le peuple haïtien trahira ses morts, il pourra effectivement avoir la terreur. Mais cette terreur, bon, je vous concède le mot, Claude Plançon. Cependant, le paysan qui n'a qu'un dixième de carreau pour gratter son maïs ou fouiller ses patates, et qui sait que tous les 4 ans ou tous les 7 ans, il doit vendre un bœuf pour aller honorer ses morts. Ah, est-ce qu'il n'y a pas là une forme d'aliénation terrible? Non, pas du tout, c'est juste le contraire de l'aliénation, à mon avis. Dans un ouvrage très remarquable, une étude sur les religions, faite par toute une équipe de prêtres et d'évêques, qui s'appelle Christus, qui est un manuel de l'histoire des religions, paru vers 1947 ou quelque chose de ce genre, à propos du sacrifice, on insiste sur la valeur exemplaire du sacrifice.
sacrifier et perdre quelque chose de très important. Dans la vie, il faut toujours payer. Voyez-vous, Jean-Dominique, il faut toujours payer. On n'a rien sans payer. Les psychanalystes modernes, demandent de très hauts honoraires à leurs patients pendant des années. Et la cure en dépend dans une grande mesure. Il faut qu'il y ait un très grand sacrifice pour que la cure donne son plein effet. Il est plaisant de voir que la science moderne, puisque la psychanalyse se prétend une science, il est plaisant que la science moderne ait retrouvé les traditions du vaudou. À savoir qu'il faut de grands sacrifices si on veut avoir des bienfaits. On n'a rien pour rien. C'est une vieille loi, vous savez, en amour, si tu n'aimes pas une femme, elle ne t'aimera pas. Tôt ou tard, et réciproquement. C'est une vieille loi, c'est la loi de l'amour. C'est ça le vrai amour. C'est le sacrifice pour les autres. Et c'est là où les chrétiens ont trouvé une chose admirable, c'est le sacrifice du Christ, non ? Qui se sacrifie, et bien c'est la même chose. Et lui, il s'est sacrifié son propre corps et sa propre chair. Et bien les vaudous, ils en sacrifient ce qu'ils ont de plus beau. Un bœuf, un cabrit, un cochon, une poule, une mangue, quelquefois seulement, quand ils n'ont qu'une mangue. Ils disent qu'il faut que les morts mangent avec eux, que les lois mangent avec eux. C'est la plus belle de toutes les communions. C'est la communion de l'homme avec le reste de la nature, avec ses morts. Et c'est la preuve que nous avons raison, nous vaudouisants, quand nous pensons que la mort n'existe pas. Que nous sommes à la fois morts et vivants. Tous nos morts sont en nous. Tu sais bien, Jean-Dominique, que ta mère est là, que ton père est là, que tes grands-parents, tes arrière-grands-parents sont en toi. Toute la psychanalyse moderne, elle aussi le dit. Nous ne sommes pas seuls. Le monde occidental a visé à nous couper de toutes nos racines dans toutes les directions, à nous rendre seuls. Et on a vu à quoi ça aboutit. Ça aboutit, pour reprendre un vieux mot, à la folie. Et pour prendre un mot moderne, à la psychose épouvantable, la manie dépressive, la schizophrénie, qui est vivre dans un espèce d'univers différent, etc. L'équilibre du vaudouisant, l'équilibre du paysan haïtien, elle est faite, on est fait de sacrifices, comme nous tous. Il n'a pas la télévision. Il n'a peut-être même pas la radio. Il n'a pas un réfrigérateur, il n'a pas une automobile. Mais j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus heureux que l'ouvrier d'usine de chez nous, qui a un réfrigérateur, qui a la télévision, qui a une automobile. Tout le monde occidental, au cours de ces 10 dernières années, est en train de reconsidérer sa position et de s'apercevoir qu'il était extrêmement malheureux à travers son bien-être matériel. Naturellement, je souhaiterais que le peuple haïtien progresse, qu'il soit moins malheureux, qu'ils aient plus d'argent, qu'ils aient plus de bien-être et qu'il n'y ait pas de problème d'alimentation et de ce genre. Nous sommes tous d'accord. Mais je crois, j'en suis sûr, que le sacrifice que va faire le paysan prouve qu'il est parfaitement un être humain. Et que c'est en ça qu'il se diffère de l'animalité. C'est qu'il est un être humain au sens complet du terme. Il n'a renoncé à rien de la qualité d'homme. Mettons les choses au point à présent, je tiens à définir ma position. Parce qu'en nous écoutant, l'auditeur pourrait être tenté, et vous pourriez être tenté, de dire que je vous conteste de l'autre côté de la barrière. Je suis profondément, et tout le monde le sait, à Port-au-Prince et en Haïti, à ce micro où je défends souvent les valeurs culturelles de mon peuple, je suis profondément convaincu, comme vous, que les traditions que représente le vaudou, que prolonge le vaudou en Haïti, sont pour nous une raison d'équilibre avec nous-mêmes et d'équilibre avec notre milieu, notre écologie, puisqu'on en parle. Bon. Ceci dit, je ne veux quand même pas, à cause de cette défense et illustration des traditions culturelles et religieuses, me mettre à genoux devant. Je veux critiquer, je veux savoir ce qu'il y a au-delà. Je veux savoir ce que cela cache, ce que cela peut cacher, comme toute religion, d'éléments d'aliénation. N'est-ce pas ? Bon. Alors, je vous arrête sur le côté sacrifice. Il est évident qu'il y a là un profond mystère, dans le sens le plus étymologique, le plus médiéval du mot. Profond mystère de l'homme, c'est que l'homme doit donner quelque chose de lui-même pour avoir cet équilibre, pour avoir cette sérénité en face de lui-même, en face des autres. C'est évident. Bon, cependant, un dixième de carreau, c'est pas beaucoup, c'est un mouchoir de poche. Et si, au bout de la chaîne, au bout du sacrifice, il y a un sacerdote qui en profite, qui lui est un gros foncier, nous touchons là peut-être la structure féodale du vaudou. Oui, alors il faut encore revenir aux persécutions, nous savons, de manière parce que c'est un exemple dans tous les pays, que lorsqu'il y a persécution, lorsqu'il y a mépris,
Lorsqu'on peut écrire, comme je l'ai lu il y a 4 ans dans un journal haïtien, que les Ungans et Mambo étaient tout en bas de l'échelle sociale. Nous savons que quand on place les gens en bas de l'échelle sociale, ils ont tendance à se comporter parfois les moins bons, comme des gens qui ne sont pas dignes d'être là du premier échelon. Si on voulait faire l'effort de considérer les prêtres vaudous au même titre que les prêtres catholiques, les prêtres protestants, les imams musulmans ou les rabbins, il ne pourrait pas y avoir parmi eux certains mauvais prêtres. Il ne pourrait pas y avoir parmi eux certains faux prêtres, puisque les autres seraient reconnus. J'ai lu l'évolution stadiale du vaudou, je l'ai étudié soigneusement, en lisant cet ouvrage, on réalise parfaitement comment le refus de considérer le vaudou comme une authentique religion pousse une partie du vaudou vers une chose qui effectivement n'est pas la religion. Mais les coupables ne sont pas les vaudouisants, les coupables ce sont les adversaires du vaudou. Pendant longtemps, rappelez-vous, nous avons considéré, nous chrétiens, nous avons considéré pendant longtemps l'islam comme servant le diable, rappelez-vous. Rappelez-vous que les Templiers ont été brûlés sous prétexte qu'ils avaient une idole qui s'appelait le Baphomet. Rappelez-vous toutes ces histoires-là qui étaient des mensonges. Et les malheureux Templiers sous la torture ont avoué qu'ils servaient le diable, qu'ils embrassaient le derrière d'un bouc. En fait, c'est toujours les mêmes histoires. Ce qu'on reproche aux vaudous, c'est ce qu'on a reproché à tout le monde, aux albigeois, aux vaudois, à toutes les gens qui ont voulu ne pas accepter la règle et se défendre contre les gens qui voulaient niveler tout et imposer à tout le monde un dogme commun. Rappelez-vous ce qu'on a dit de nos mystères de l'Antiquité, la prostitution sacrée. Tout ça, c'était des mensonges. Tout ça, sont des inventions de toutes pièces, des fausses interprétations. Toutes nos mythologies de notre Occident ont été défigurées littéralement par cette oppression, par cette volonté de nivelage, qui ne correspond pas, bien entendu, au vrai esprit chrétien. Je crois donc que c'est dans la mesure où vous, haïtiens, prendrez conscience que le vaudou est une religion comme les autres, et j'oserais dire une religion prioritaire et antérieure aux autres, et qui représente une valeur culturelle importante et indispensable à l'humanité. C'est dans cette mesure-là que vous n'aurez plus des bocaux, que vous n'aurez plus des ungan-cha-cha, qui parfois, effectivement, parce qu'il faut bien vivre, parce que ceci, parce que cela, mais à ce compte-là, rappelez-vous nos prêtres du Moyen-Âge, rappelez-nous nos abbés païards, rappelez-vous nos moines païards, rappelez-vous les scandales qui se sont passés dans les monastères, ça ne touche en rien le christianisme. Donc ce qui est, les bavures du vaudou ne touchent en rien le vaudou. Bravo, je dis, parce que je me rends compte que si le vaudou n'est pas prosélyte, eh bien, ce nouvel adepte est vraiment d'un zèle, hein, en retirer son chapeau bas devant ce nouveau mystère Claude Plançon. Cependant, il faut aussi signaler que s'il y a de mauvais prêtres, s'il y a même eu de mauvais évêques, il y a même eu de mauvais papes, s'il y a eu tout un pan de cette Église catholique ou chrétienne d'Europe occidentale à être rejeté par la modernité de la conception chrétienne, en analysant bien, on se rend compte que c'est parce que cette Église, qu'on appelle l'Église mauvaise, a soutenu un certain régime social. Il y a donc un rapport entre le mauvais prêtre, le moine paillard du Moyen-Âge et le seigneur paillard lui aussi, il se donnait la main. Il y a un rapport entre ce curé obscurantiste d'une province française du 19e et le sous-préfet qui lui aussi était aussi obscurantiste. Il y a des rapports entre le temporel et le spirituel, et ces rapports sont évidents dans notre société paysanne. Et ne doit-on pas imaginer, parce que je ne vais pas vous taquiner sur la féodalité, les structures féodales du vaudou, non, mais ne doit-on pas imaginer une future séparation, non de l'Église et de l'État, puisque ça n'existe pas chez nous, le vaudou n'est pas religion d'État, mais ne doit-on quand même pas imaginer une séparation du culte vaudou, de son enracinement structurel, son enracinement temporel, son enracinement dans la société elle-même. Que le Ungan ne soit plus un gros foncier, ni le notaire du coin, celui qui rançonne et qui prébande, non ? Non, absolument pas, non. Vous savez ce que veut dire Mambo en fond, ça veut dire reine. Oui, effectivement, les Ungans et les Mambo se considèrent comme les authentiques descendants des rois africains qui détenaient le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel par ce roi.
Il est vrai qu'à Haïti, les structures de vaudou ont représenté les structures authentiques du peuple, pas seulement de la paysannerie. Je ne veux pas qu'on me raconte que le vaudou est une affaire paysanne. Le vaudou est autant une affaire urbaine qu'une affaire paysanne. Il est vrai qu'en face d'une féodalité bourgeoise capitaliste, il y avait, et il y a toujours, une féodalité populaire, paysanne et prolétarienne. Il est vrai que les églises chrétiennes, qu'on le veuille ou non, représentaient ici une promotion sociale. Il est vrai que d'être catholique ou d'être protestant représentait et représente encore une promotion sociale, de même que parler le français est une promotion sociale. Il est vrai, je ne me permets pas de juger Haïti, parce que, en l'occurrence, c'est la même chose, ça a été la même chose dans notre Occident sous une autre forme. Il est vrai qu'il y a deux couches de société, une couche de société qui parle français, qui est catholique ou protestante, et qui prétend détenir la culture, à tort, et qu'il est vrai qu'elle prétend détenir le savoir, et il est vrai qu'il y a une deuxième couche de la société, qui représente le peuple, qui détient le gai savoir, comme disait Nietzsche. Par opposition. Donc ce que vous proposeriez de détruire sont les structures populaires, c'est-à-dire livrer le peuple sans armes, sans structure, les véritables structures populaires. Lorsque vous avez besoin de faire une fête populaire comme le carnaval ou comme les raras, où allez-vous le chercher sinon ailleurs que dans le vaudou? Autrement, vous tombez dans les chars avec les orchestres modernes, l'assimilation, c'est-à-dire la destruction très rapide du carnaval, le jour où le carnaval n'est plus, mais le blanchiment du carnaval. Quand je vois une reine carnavalesque qu'on a choisie sous prétexte qu'elle savait lire, écrire et qu'elle pourrait parler bien le français, qu'elle était en seconde, j'en parlais l'autre jour à mon maire d'une ville haïtienne, je lui dis, vous auriez mieux fait de choisir une paysanne, excusez-moi, elle était plus représentative de votre population. L'essentiel, c'est qu'elle soit représentative de la population. Le fait qu'un Ougan, ce qui n'est pas courant d'ailleurs, soit un gros propriétaire terrien ne me gêne en rien. D'abord, gros propriétaire. Disons moyen propriétaire terrien. Ça ne me gêne en rien. Au contraire, ça lui donne de l'indépendance. Le fait que ce Ougan, lorsqu'un grand bourgeois avec une grosse voiture américaine vient lui demander de faire des wangas pour obtenir ceci ou cela, lui demande beaucoup d'argent, il a raison, le Ougan. Il faut bien qu'il fasse vivre son temple. Je connais une Mambo pour laquelle j'ai le plus grand respect, la plus grande estime, parce que c'est une des femmes les plus bonnes, les plus saintes au sens chrétien du mot que je connaisse. Elle a à sa charge 136 personnes à nourrir par jour. Elle a des petits-enfants à sa charge. C'est pas eux, avec leurs 4 sous, qui peuvent faire vivre ce temps. Chacun apporte ce qu'il peut. Mais grâce à Dieu, il vient quelquefois des grands bourgeois lui demander de faire ceci ou cela, et elle leur demande beaucoup d'argent. Elle a raison. Qu'est-ce que fait d'autre le prêtre catholique lorsqu'il demandait au Seigneur de construire sa cathédrale, lorsqu'il demandait à ma propre grand-mère de mettre des vitraux dans l'église Saint-François de Sales? Qu'est-ce qu'il faisait d'autre? Je pense que détruire les cadres du vaudou, ne pas leur arracher leur sécularisation, c'est détruire le vaudou lui-même. Aucune église n'a vécu sans hiérarchie. Il y a effectivement une hiérarchie dans le vaudou, mais n'oubliez jamais surtout cette chose tellement importante que le prêtre vaudou a tout fait de lui-même. Enfin, je rappelle pour les gens qui ne le savent pas, qu'il ne suffit pas d'avoir reçu le haçon pour avoir un temple, qu'il faut ensuite le construire. Qu'il faut ensuite, on n'a pas de canzo tant que les gens n'acceptent pas d'être vos propres enfants. Il faut donc trouver des gens qui vous aiment assez pour devenir, pour souhaiter devenir vos propres enfants, qui acceptent les lourds sacrifices qu'implique l'initiation canzo pour faire vivre le temps, que donc le Ougan ou la Mambo ont fait bien plus que n'a jamais fait un psychanalyste. Ils ont sacrifié toute leur vie à ça, qu'ils en trouvent quelques bénéfices matériels ne me gênent en rien, d'autant plus qu'ils les redistribuent en toute occasion. Enfin, il suffit d'aller dans n'importe quel temple, dans l'endroit le plus pauvre, aller à Bel Air comme j'y étais l'autre jour, on va pas dire que c'est un quartier riche, voir les sacrifices que font les Ougans pour qu'il y ait ou les Mambo pour qu'il y ait de la tenue chez eux, pour qu'il y ait de la propreté. Je m'inscris totalement en faux contre tout le mal qu'on dit des Ougans et des Mambo. Je prétends qu'il s'agit d'une forme pernicieuse et habile de la persécution. Les vrais Ougans et les vrais Mambo, encore une fois, je parle de ceux qui ont le haçon et ceux qui ont reçu le secret, sont, à ma connaissance, d'une très haute qualité morale que je souhaiterais voir partagée par les prêtres de toutes les autres religions. Claude Plançon, avec Mathilda Beauvoir, celle que vous appelez votre mère spirituelle. Claude Plançon, vous avez, avec Mathilda Beauvoir, depuis quelques années, un houfort à Paris. Vous avez même un couvent autour de ce houfort. L'on vous accuse, Mathilda et vous, de faire du commerce de notre religion en plein cœur de Paris. Vous noterez que c'est exactement ce qu'on reproche aux Ougans et aux Mambo Haïti. Et c'est exactement le même cas. Non seulement nous ne faisons aucun commerce, mais je dois dire que je m'y suis ruiné. Grâce à Dieu, j'avais un certain nombre d'héritages de mes parents qui m'avaient laissé un peu d'argent.
Et puis, je vais vous raconter un secret que je n'ai encore jamais dit à personne. Je suis breton. Ma famille est originaire de Saint-Malo. Dans ma famille, dans la famille de ma grand-mère et de mon grand-père, quand j'étais un petit garçon, on montrait des objets qui venaient de Saint-Domingue. Et ma famille a fait fortune dans le trafic du bois d'ébène. C'est pas possible. C'est vrai. Vous êtes un sale esclavagiste. Voilà. Alors, peut-être que les lois ont voulu que je restitue ce que mes ancêtres avaient volé. Et le Hunfort que nous avons fait à Paris n'est pas du tout une affaire commerciale, tant s'en faut, étant donné que nous faisons des cérémonies une fois ou deux par semaine au maximum, et que vous savez ce que coûte, vous qui avez voyagé, Jean-Dominique, des immeubles, des locaux, des lumières, enfin vous imaginez que ce sont des millions. Inviter aussi, comme nous le faisons chaque année, une quinzaine de Hunsi à venir vivre avec nous en communauté pendant 10 mois pour retourner ensuite dans leur pays pour s'acheter une terre et devenir indépendant. Vous imaginez, compte tenu du prix de l'avion seulement de Port-au-Prince à Paris, que ça ne peut pas, quoi qu'il arrive, être une affaire commerciale. Ce qui m'inquiète, c'est que ça ne pourra peut-être pas durer toujours, mais grâce à Dieu, avec le prince Pierre de Grèce et de Danemark, avec le professeur Broida, avec le docteur Donard, avec Majoudine Damat qui est directeur des relations culturelles de l'UNESCO, avec l'appui de Matarmbo qui est le directeur général de l'UNESCO, grâce à Dieu, nous avons pu constituer des associations qui, je ne vous cache pas, aident à rendre matériellement les choses possibles. Alors à parler de commerce à partir de là, excusez-moi, il s'agit là donc purement et simplement toujours de la même vieille histoire, salir ceux qui ne pensent pas comme vous. Moi, je ne dis pas que le christianisme est un commerce. Claude Plançon, le vaudou à Paris, pourquoi ? Pourquoi les Blancs seraient-ils un beau jour touchés par notre grâce ? Quand j'ai connu le vaudou, vous savez ce que ça m'a appris ? Ça m'a fait redécouvrir ma culture, à moi occidentale. Je ne veux pas dire naturellement que le vaudou vienne de l'Occident, c'est pas ça du tout. Je veux dire que le vaudou, comme je répète, n'est qu'un rameau d'une grande tradition primordiale qui a vécu partout, d'un grand mouvement spirituel universel, initiatique. Pendant toute ma jeunesse, on m'a appris ce qu'était la Grèce antique, on m'a parlé des religions à mystère, on m'a parlé d'Éleusis, qui est devenu un cimetière chrétien, il ne reste rien. Il n'y a pas un texte sérieux sur Éleusis, sinon des défigurations. Même les poèmes qui ont été écrits à l'époque ont été falsifiés par les traducteurs chrétiens. Donc j'ai retrouvé dans le vaudou ce qui était notre grande tradition. Rappelez-vous que tous les grands hommes de l'Antiquité parlent des mystères d'Éleusis comme du plus beau jour de la plus belle période de leur existence quand ils ont été initiés au mystère. Le vaudou m'a restitué les mystères d'Éleusis. Le vaudou m'a restitué Dionysos. Le vaudou m'a restitué mon antiquité gréco-latine, mon antiquité celtique, le druidisme, les traditions germaniques, tout ce qui faisait les traditions authentiques de l'Occident qui ont été détruites par le judéo-christianisme. Pas détruite tout à fait, bien sûr. La preuve, c'est que ça ne demande qu'à rejaillir comme une source qu'on a murée et qui éclate. Alors là a été le phénomène le plus extraordinaire. Dans le Hunfort. Oui, on dit que certains de vos spectateurs, initiés par Mathilda, arrivent à connaître l'extase sacrée. Mais naturellement que c'est vrai, c'est même une banalité. Des centaines de Français ont été montés par les lois, parce que je ne veux pas qu'on parle du mot possession, qui est un mot abominable, qui date, comme vous le savez, de l'Inquisition. Mais bien entendu, je vais vous raconter une petite histoire. Un jour avait lieu à Paris un congrès de médecins très important qui s'occupe des problèmes de sophrologie, plus particulièrement. Ce congrès était un congrès international, il y avait des Allemands, des Espagnols, des Anglais, c'était présidé par le docteur Donard, qui est un médecin psychiatre français très célèbre et très connu. Ils ont téléphoné à Mathilda en disant à la fin de ce congrès où nous avons étudié les phénomènes dits de possession et nous avons conclu qu'ils dépendaient de conditions socio-économiques particulières, thèse qui a été défendue souvent, vous le savez, par un bon nombre d'ethnologues. Mais ça nous intéresserait de voir une cérémonie vaudou. Est-ce que vous nous autoriseriez, parce que c'est complètement fermé, notre Hunfort, seules les personnes qui... C'est pas du tout un spectacle qui est montré aux gens, bien entendu, ça n'a rien à voir avec les fausses cérémonies vaudou qu'on voit à Haïti. Est-ce que vous accepteriez de nous recevoir à une quarantaine ? Tilda a dit oui, d'accord, docteur, elle connaissait bien Donard, elle savait que c'était sérieux, et ils sont venus. Ils sont arrivés très en retard, parce qu'ils avaient eu leur réunion de congrès, s'est terminée vers 10h du soir, ou vers 9h du soir, et la cérémonie baptême en plein. Le docteur Donard était là donc avec une quarantaine d'occidentaux, dont sa fille, qui est psychiatre, à Sainte-Anne.
Sa fille a été montée par maîtresse Erzuli à la porte de Hunfor. Et pendant une heure, elle a réclamé ses colliers. Elle a réclamé son parfum. Elle a réclamé son siège sur lequel elle s'est assise. Elle a tendu le petit doigt, ce qu'aucun occidental ne pouvait connaître, les deux petits doigts, ce qui est la manière dont maîtresse Erzuli salue. Elle a tendu deux petits doigts au spectateur. Et elle s'est mise à parler en créole. Elle n'avait jamais entendu parler du créole. Et elle s'est mise ensuite à chanter une chanson en fongbé, c'est-à-dire dans la langue secrète des temples dahoméens. Alors expliquez ça comme vous voudrez maintenant. Je n'explique pas ça. Moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Cependant, cela va un peu à l'encontre de ce que j'imaginais. Et nous allons peut-être toucher là quelque chose d'un tout petit peu plus profond que ce que nous avons dit jusqu'à présent. Cela va à l'encontre de ce que je m'imaginais, parce que, en définitive, Claude Plançon, Erzuli, Agueta Royo, Tambala, Ogou, Baron, Grand, sont pour celui qui les sert, celui qui est bientôt monté par eux, sont une tradition, un flux profond, un courant profond qui nous vient de très loin, que parfois on ignore, mais qui sont dans la tradition d'un peuple, dans la mémoire collective de ce peuple. Alors c'est ça que je ne comprends pas, que cette bonne femme, brusquement, qui est sur la rive, elle est sur la rive, elle voit passer le flot, le flot passe devant elle. Alors c'est ça que je ne comprends pas, Claude Plançon. Alors voyons, quand on considère, j'ai fait dans mon livre, Anne-Missier parle, un petit tableau. Je prétends pas donner une leçon à qui que ce soit, mais j'ai essayé de moi-même de voir clair, où j'ai mis côte à côte les principaux lois du vaudou haïtien, avec leurs caractéristiques, leurs couleurs, leurs arbres, les arbres qui leur correspondent dans le monde végétal, le comportement qu'ont les gens quand le loi les monte, les animaux qui leur sont sacrifiés, et leur correspondance avec ce qui me semblait être les mythologies grecques, romaines, celtiques, germaniques. On retrouve toujours et partout les mêmes. Bien entendu que Erzuli, c'est Vénus. Bien entendu que Calphus, c'est Hécate. Bien entendu que Agoué, c'est Neptune ou Poséidon. Et même correspondance, bien entendu qu'il y a trois Erzuli, n'est-ce pas? L'Erzuli Rada, l'Erzuli Petro, l'Erzuli Dantor. Et comme par hasard, dans les mythologies celtiques et germaniques, il y a trois déesses de l'amour. Déesse, le mot est très mauvais. Trois esprits de l'amour. Ou plus exactement, un mystère de l'amour, ou plus exactement un amour à trois faces. Ce que nous connaissons bien, c'est l'amour sensuel, sexuel, tendre, celui d'Erzuli, c'est l'amour violent, la passion, qui est Erzuli, Erzul Dantor, et c'est Erzuli, ensuite Erzuli Zila ou Erzuli Yeux Rouges, qui est la mère castratrice, c'est-à-dire les trois formes de l'amour que nous rencontrons tous les jours autour de nous. Et ça, c'est tout à fait significatif. Donc, ces archétypes, pour reprendre le mot de Jung, ces archétypes sont dans l'inconscient de tous les hommes. Et c'est peut-être par la voie de l'inconscient collectif dont parle Freud, peut-être qu'il y a un fond commun à tous les hommes, un inconscient, des canaux qui nous relieraient à un inconscient, qui nous concernent tous, qui ont permis que, du moment qu'il s'agissait d'une cérémonie du vaudou haïtien, elle s'exprime en haïtien, de même que, combien de fois l'Inquisition parle de gens qui, c'est même une des preuves de la possession diabolique, disent-ils, qui parlent une langue étrangère qu'ils ne peuvent pas connaître, qui parlent le latin, qui parlent l'araméen. Il s'agit là de, tout d'un coup, de l'irruption de l'inconscient collectif dans le conscient d'une personne, qui apparaît à la surface.